spécialise en eye tracker médical. Donc en fait, le principe, c'est que ici, le casque qu'on place sur la tête du patient comporte une caméra haute définition. Cette caméra va traquer la pupille, les deux pupilles séparément du patient. Et en fait, on va demander au patient de faire un exercice sur cet écran de stimulation. Donc c'est principalement des points qui vont apparaître à droite et à gauche. Les caméras, donc celle-ci et celle qui est placée sur l'écran de stimulation qui va pouvoir permettre de mesurer les mouvements de la tête, vont mesurer tous les paramètres oculomoteurs. Tous ces paramètres vont être enregistrés. On va avoir une analyse qui va être automatique. Vu que les troubles oculomoteurs sont des choses qui sont très fins et très précoces, ça va pouvoir permettre d'anticiper le diagnostic d'une maladie 3 à 4 ans à l'avance, par exemple, pour les syndromes Parkinson. Je suis présent chaque année, je veux dire, au forum depuis presque une bonne dizaine d'années maintenant, parce que c'est vraiment le lieu en fait en France où annuellement se réunissent tous les gens qui travaillent sur les sciences cognitives. Et donc l'intérêt, c'est à la fois de nouer de nouveaux contacts avec les jeunes qui viennent se renseigner sur ce milieu-là, et surtout tous les anciens pour faire du réseautage. Je suis venu présenter avec mes collègues des expériences donc sur l'interaction et sur la modélisation de l'interaction, notamment à travers l'outil robotique, en utilisant des réseaux de neurones ou d'autres systèmes. Le cervarium, c'est une plongée au cœur du cerveau, des fractales, des mathématiques, et c'est une expérience visuelle, auditive, puisque c'est accompagné par une instrumentiste qui joue à la fois de la clarinette et la musique via un ordinateur. Et on est guidé le long d'un voyage en fait, à travers des différentes images, et ces images sont bougées via les pensées de quelqu'un qui a un casque AEG sur la tête, et ça permet donc de faire bouger les images. On avance, on recule au sein d'une espèce d'univers, en fait, c'est assez particulier. Voilà, on est un peu perdu au milieu de tout et de rien, c'est une expérience qui est assez particulière, mais très enrichissante. Je m'appelle Alicia Lefebvre. On m'a donné le titre d'artiste scientifique. Je suis ici pour montrer un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que justement ce bain entre la musique et la psychologie m'a amené à produire. Et toujours dans une optique de justement vulgariser les neurosciences, les sciences cognitives.